Il y a fort longtemps, le plus grand des ninjas sacrifia sa vie afin de défendre l'univers contre les attaques du cruel Galvanax. 10 ans plus tard, les Power Rangers livrèrent de nombreux combats pour protéger les puissantes étoiles de pouvoir. Ils finirent par vaincre Galvanax. Mais l'impitoyable Madame Odieux survécut et s'empara du pouvoir, déterminée à mettre la main sur les étoiles. Il n'y a qu'un groupe de héros qui puisse l'en empêcher. En formation ! Ce sont les Power Rangers Super Ninja Steel. Bonne fête d'Halloween ! C'est génial ! On a tous des costumes d'enfer. Preston, j'adore ta peau de bête. Moi, pas Preston. Moi, homme caverne. Oh, bon sang. T'as oublié de prendre une douche ce matin ou quoi? Hé, hey, tu me charries. Paix et amour. Il n'a pas besoin de se laver. J'ai super hâte d'aller collecter les friandises. Par où on commence? Des monstres. Salut les Power Rangers. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Vershix et voici la horde des horreurs. Un bande de criminels intergalactiques. Odieux nous envoie 7 monstres à la fois. Elle doit commencer à désespérer. On va vous donner une bonne leçon. Attendez, on a laissé nos étoiles amies pour qu'ils fassent des réglages pendant qu'on fêtait Halloween. Vous croyez qu'on a peur de vos étoiles de pouvoir? On n'a rien à voir avec Odieux, ni avec sa pathétique émission de télévision. Oui, mais une fois qu'on se sera débarrassé de vous, on deviendra beaucoup plus célèbre que cette sorcière. Si vous voulez nous battre, vous allez devoir appeler des monstres en renfort. Qui vous a dit qu'on avait l'intention de se battre? On va plutôt employer la manière douce. Bim bilim boum, permutatum! Vous allez changer vos corps, que cela vous plaise ou pas! Je crois que je suis devenue une tortue géante! Est-ce que j'ai une bouche dans mes cheveux? On est tous piégés dans des corps de monstres! Et nous autres monstres, on est à l'intérieur de vos enveloppes charnelles. Dans des corps de monstres. Et nous autres monstres, on est à l'intérieur de vos enveloppes charnelles. Être dans la peau d'une créature humaine me donne envie de vomir. Ne bougez pas, je vais vous attacher. Non, j'ai les mains enchaînées. Moi c'est pareil. Et moi aussi. Brody, Sarah, allez chercher de l'aide. Pas de panique, on va vous sortir de là. Il faut que je les rattrape. Vous, restez ici. Les gardes momies seront là d'un instant à l'autre. Les gardes momies? Hein? Mais de quoi ils parlent? Vous allez nous le payer cher, croyez-moi. Gardes momies prêts à servir. Vous tombez bien. Regardez ce qu'on vient de trouver. Tiens, tiens, tiens. On dirait des membres de la Horde des Horreurs. Exactement. On les a capturés pour vous parce qu'on est les Power Rangers. Et c'est tout à fait le genre de bonnes actions que nous faisons. 4/6, c'est pas mal. Merci les Rangers. Vous êtes cités à comparaître au tribunal intergalactique d'Halloween pour répondre de vos crimes. Au tribunal intergalactique d'Halloween? Nous? Vous faites une grave erreur. Oui, c'est un coup monté. Vous direz ça au juge, misérable. On vous embarque. C'est pas vrai. Il faut qu'on sache ce qui se cache derrière ce tribunal intergalactique. Allons prévenir Mick. Oh, c'est le genre de salle de tribunal qui file la chair de poule. Et on a de la compagnie. Ils n'ont aucune chance d'être innocentés. Silence!
Nous sommes les juges citrouilles et notre mot préféré est justice. Dès qu'ils sauront qui on est vraiment, ils nous relâcheront. La horde des horreurs. Depuis le temps qu'on cherchait à vous capturer, vous allez devoir payer pour tous vos crimes. On n'est pas la horde des horreurs. Silence! L'audience du tribunal intergalactique d'Halloween est maintenant ouverte. Sorcière avocate générale, nous vous donnons la parole. Merci, vos honneurs. Les courageux Power Rangers nous ont amené la horde des horreurs pour qu'elle affronte la justice. C'est un horrible malentendu, on n'a rien fait de mal. Alors que plaidez-vous? Non coupables. C'est nous les Rangers et eux les monstres. Ils ont pris notre apparence. Elle est bonne, celle-là. C'est la vérité. Je sais des choses que ces monstres ignorent. Comme le jour où Brody avait récupéré le prisme Nexus Ninja que Galvanax avait volé. Mais oh, super! C'est le prisme Nexus. On ne bouge plus, misérable! Et ça, la horde des horreurs ne pouvait pas le savoir. Ça ne prouve absolument rien. Tout le monde est au courant de cette histoire. Quand Mick et Brody se sont échappés du vaisseau spatial, nous, les vrais Power Rangers, sommes parvenus à extraire les étoiles de pouvoir du prisme. J'arrive pas à y croire. J'hallucine. Comment j'ai réussi à faire une chose pareille? Ce sont les étoiles de pouvoir jaunes et blanches. C'est pas croyable. Et badabim, badaboum! On est devenus les Power Rangers, en direct sur les guerriers galactiques. En effet, nous nous en souvenons. Il s'agit de notre épisode préféré. Savoir ce qui s'est passé sur le vaisseau des guerriers galactiques ne peut pas être considéré comme une preuve. Silence, nous faisons évacuer la salle. Écoutez-moi attentivement. Pour chaque crime que vous avez commis, une case s'allumera. Laissez-moi deviner, une fois arrivé en haut, vous serez condamné à disparaître. Vous avez déjà une pénalité pour avoir prétendu être les Power Rangers. Plus que 9 et nous serons condamnés. Ce n'est plus qu'une question de temps. Mais c'est n'importe quoi. Plus que 9 et nous serons condamnés. Ils n'ont aucune chance. Et voilà. Tu as oublié de revisser ce boulon. Des monstres. Juste devant. Non, d'un petit boulon. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais, Redbot, c'est nous, Brody et Sarah. Ouais, c'est ça. Attends. On peut le prouver. On sait que tu viens de la galaxie du Lion et que tes parents te surnomment... Nikone. Brody? Sarah? C'est bien vous. Leur corps altère mes récepteurs olfactifs. Écoutez, les autres sont retenus dans un endroit appelé Tribunal Intergalactique. Nom d'une carte mère, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il s'agit du tribunal le plus sévère de toute la galaxie. On doit se débrouiller pour les sortir de là. Et réintégrer nos corps. Ce qu'il nous faudrait, c'est un plan. Et vite. Mick, à quoi tu joues? Je crois que j'ai une idée. Écoutez-moi bien. Je vais tout vous dire. Encore 9 cases à allumer, vous ne serez plus de ce monde. Qui d'autre a une preuve à nous apporter? Moi! Contre Fangor. Le séduisant vampire de l'espace. Ça, moi? Celui qui est vraiment suave et cool. Rassis-toi. Quoi? Tu vas nous trahir. Mais pourtant un terrible criminel. Oui! Cette grosse brute a tenté de nous mordre. Non, c'est faux. Il a voulu nous changer en vampire. Alors on a bien été obligés de se défendre. On a pu s'en débarrasser seulement grâce au pouvoir de l'ail. C'est vraiment une chose dont il a horreur. Vous ne m'échapperez pas. Je vais tous vous battre.
Tu ne nous planteras pas tes crocs dans le cou. Souffle ninja. Attaque roc foudroyant. Hé, attends, t'as encore rien vu. Étoile foudroyante, verrouillage, mode tornade. Technique ninja dite du plat de ravioli à l'ail. Attaque ninja tornade. Respire un bon coup. C'est épouvantable. Il a été tellement perturbé par l'odeur de l'ail que j'ai été en mesure de le battre. C'est n'importe quoi. J'adore l'ail et je n'ai jamais essayé de mordre qui que ce soit. Alors prouve-le. Donnez-lui un peu d'ail. J'en ai justement sur moi. Parfait, je vais vous montrer. Oh, quelle horreur! Vous voyez, il déteste ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Attendez, l'allergie à l'ail a dû se transmettre quand on a échangé nos corps. Comme si c'était possible. Coupable! Deux pénalités de plus. Une pour le crime et une autre pour avoir menti au sujet de l'ail. C'est juste de l'ail, pas la peine d'en faire tout un plat. Vous n'avez pas le droit. Donc si! D'ici peu, vous serez tous réduits en poussière. Maintenant, je vais vous parler de Staberous et de ses crimes. Oh, ça va encore être des mensonges. Cette horrible bête prenait plaisir à trancher en deux tout ce qu'il trouvait, y compris nos armes. Il fallait donc y mettre un terme. Alors on a dû mettre nos capes magiques pour lutter contre lui. Presto capo! On ne peut pas se battre avec ça. Monstro destructo! Raté! Ma baguette magique! Tu vas le payer, face de bête! Vous n'avez encore rien vu! Coucou! Oh, c'est une blague ou quoi? Heureusement, on s'est servi d'une étoile élément pour porter une attaque métallique ninja et on l'a ainsi empêché de briser d'autres armes. Quoi? Ça s'est pas du tout passé comme ça! On ne s'est jamais battu en portant une cape! Messieurs les juges, je peux vous prouver qu'il ment comme il respire. Tout ce qu'il me faut, c'est ma baguette magique. Elle est à moi! J'en ai besoin pour jeter des sortilèges. Rendez-la moi et je vous prouverai que ce n'est qu'un imposteur. Qui nous prend pour des imbéciles? Il est hors de question de donner une baguette magique à un accusé. Mais... Ah! Coupable! Deux pénalités et une supplémentaire pour avoir tenté de duper la coupe. Quoi? Vous l'avez bien cherché, bande de monstres! Ça nous fait déjà six pénalités. Ça commence vraiment à devenir chaud. Tu ne m'attraperas pas! Est-ce que Versix t'a suivi? Ouais. Tu veux parier, espèce de vieux débris? C'est qui le débris maintenant? Ok, la phase 1 de mon plan est terminée. Passons à la phase 2. Il devrait arriver d'une seconde à l'autre. D'après notre informateur, le dernier membre de la Horde devrait se trouver par ici. Bingo! Vite, passons à la phase 2 avant qu'il nous ait repérés. On n'a plus qu'un monstre à juger. Quel crime a-t-il commis? Qui, moi? Je suis pas un monstre, mais un musicien. Je m'appelle Levi Weston, et je peux chanter pour vous le prouver. I'll be there in moments of sorrow. I'll be there to steal into your heart. My love. C'est super, Levi. Ça suffit! Avoir une belle voix ne prouve pas que vous n'êtes pas un monstre. Nous savons de quoi nous parlons. Nous aussi, nous chantons à nos heures perdues. Oh. Far away across the sea, I miss my true love. She's the only pumpkin for me. Ouais, super. Quoi? Des citrouilles qui chantent? Nous vous déclarons coupable. Une pénalité et trois supplémentaires pour avoir prétendu que les citrouilles ne savent pas chanter. Oh. C'est abusé. Oh non, ça fait 10 pénalités. C'est le moment pour la Horde des Horreurs de partir en poussière. C'est le moment pour la Horde des Horreurs de partir en poussière. Non. Une minute. Vos honneurs, grâce à un informateur anonyme, on a pu capturer Versix ainsi que les deux derniers membres de la Horde des Horreurs. Non, Brody, ça... Eh bien...
Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Si vous saviez comme je regrette ce que j'ai fait, je vais tout vous dire. J'ai échangé les corps des Power Rangers avec ceux de la Horde des Horreurs. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis le début. Non, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Une petite minute. Donc, ils ont bien échangé leurs corps? Oui, je l'avoue. Vous plaisantez? Alors ces adolescents font partie de la Horde des Horreurs? Nous avons été dupés? Oh, on s'est fait démasquer. Allons-nous-en. Pas si vite. C'est bien tenté, bande de monstres. Bon réflexe. Et maintenant, rompez le sortilège. Hocus pocus, Père Moutadé, reprenez votre apparence sans plus tarder. On est redevenu comme avant. On a retrouvé notre apparence. Avec un fil d'échelle au poignet. Versix, pourquoi tu nous as trahis? On te considérait comme notre ami. En vérité, je suis leur ami. Surprise! Alors c'est comme ça que tu as fait. Quoi? Ce n'est pas juste! C'est ce Versix qui nous a manipulés! Il est trop tard! Nous déclarons ces monstres coupables! Vous êtes condamnés à être réduits en poussière! Veuillez nous excuser. Nous nous sommes trompés à votre sujet. C'est pas grave. Il faut dire que ces monstres étaient plutôt convaincants. Au fait, qu'est devenu le vrai Versix? Ne vous en faites pas. On sait exactement où il est. On va s'en occuper. Merci, les Rangers. Oui, Redbot, qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle. J'ai peur que Versix se soit échappé. Mais je l'ai localisé sur les quais. Alors c'est notre prochaine destination. Oh, mais on n'a pas nos étoiles de pouvoir. Ah, si, si, les voici. Merci. Je viens de finir leur mise à jour. Merci. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à y aller. Transformation! Tourbillon Ninja! Bonne chance, les Rangers. Merci, les citrouilles. À plus! Apparemment, la voie est libre. Surprise! On a retrouvé notre apparence. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et cette fois, c'est fichu. Ça m'étonnerait. Rayon Versix. Un souffle ninja. Verrouillage, mode tornade, tourbillon ninja. Attaque ninja tornade. Dans le grand jeu. Et toi, l'armure des lions de feu, verrouillage. Rayon Versix. C'est un début. Tourbillon ninja. Attaque du lion en place. C'est le pire cauchemar d'Halloween. Et t'es pas prêt de te réveiller. Vous pouvez me laisser tranquille et aller collecter des bonbons. Double super attaque du lion de feu. Je reviendrai pour vous hanter. Beau travail, les Rangers. Cette fois, on l'a eu. Tu es sourd ou quoi? Je t'ai dit que je reviendrai. Vous courez au-devant de gros ennuis, les Rangers. Je vais me gigantifier moi-même. Oh, appelons vite un ultra zord à la rescousse. Bonne idée. Tourbillon ninja. Assemblage. Assemblage. Mode super ninja style, prêt! Approchez, approchez! Ultra frappe ninja! Accrochez-vous les Rangers, ça va secouer! Je sais pas si l'Ultra Zord va résister à de telles secousses!
On fait quoi maintenant? C'était du gâteau à la citrouille. Si on forme un nouveau Megazord, il va aussi le démanteler. Alors servons-nous de nos arts. Bonne idée. On va en appeler d'autres à la rescousse. Surfeur sous-marin. Charge héroïque. Astral. Fichez-moi la pétanque ferraille. Dragon, à toi de jouer. Content de te revoir, toi. Montrons-lui qui est le patron. Allez, c'est parti. Attaque en rafale. Merci, Preston. On va l'achever tous ensemble. Frappe, Super Sam, Agathe Fatale. Et j'ai même pas eu de bonbons cette année. Fin du combat, victoire des ninjas. Merci. Heureusement qu'on n'a pas raté la collecte de bonbons. C'est clair, on a été gâtés cette année. Vous savez quoi? Je pense qu'on peut en trouver d'autres en traversant le parc. Eh bien, allons voir. D'accord, qui veut en échanger avec moi? J'ai des bracelets au chocolat. Et moi, j'ai des... Oh, l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un des trois juges. Moi, c'est pareil. Je veux plus jamais remettre les pieds dans un tribunal. Oh. Heureusement que c'est qu'une déco. Je vous déclare coupable. Vous, Mick, je vous ai eu. Vous avez les friandises, alors c'est à moi de jouer des tours. Elle est bien bonne. Venez, allons chercher d'autres friandises. Ouais. C'est un plan que j'approuve à 100%.